J'obtiens une des récompenses les plus rares de That's Not My Neighbor dès ma deuxième partie. Et dis-moi quel a été ton meilleur rang dans les commentaires. Bon, on va essayer de faire mieux que la dernière fois. Ok, c'est une des deux sœurs jumelles. Bonjour madame. Ok, elle est sur la liste. Elle est sur la liste. Elenoïs. Au 1-4. 80, donc ça c'est la bonne date parce qu'on est en 55. 1-4. Allez, on va regarder, on va regarder, on va regarder quand même. Ça se finit par 514, ça commence par 785. Ah, Elenoïs. Je serais pas en train d'essayer de m'arnaquer. Je te pose une petite question. My ID. Oui, votre ID. Tu vois pas qu'il y a un petit problème? Alors, tu sais quoi? Je vais appeler directement le 6996. Ok, tu me forces à prendre mon téléphone. Allez, on appelle là. On va bien voir. Allô? Il met du temps à décrocher aussi. Bonjour, Célène. Je voulais savoir s'il y a votre sœur qui est là. Votre sœur est pas à la maison. C'est parce que j'ai pas regardé le bon code. C'est normal. C'est le 845956. Ok, ok. J'ai failli la tuer. Excusez-moi, j'ai failli la tuer pour rien. On va la laisser passer. Elle est sur la liste. C'est bon. Oh, c'est bon. C'est le début, là. Il me faut un petit café. Il me faut un petit café, là. Oh, Chester, le retour! Alors, dans le début du jeu, ils nous disent qu'il y a les questions de Chester. Et vous m'avez dit en commentaire la dernière fois que c'était 42 pour la première réponse. Oui! Alors par contre, il y a combien de questions? Quel est le nom scientifique australien de l'animal qui change drastiquement d'apparence quand il est retiré de son habitat naturel? C'est le blobfish. Mais c'est quoi le nom scientifique du blobfish? Attendez, je regarde sur Google. C'est les psychrolutes marsidus apparemment. Ouh, c'est bon, ça passe! Quel est le nom du seul sport où on peut frapper son adversaire dans la tête une fois qu'on a capturé une pièce? C'est le chess boxing. C'est bon! Let's go! 3? C'est pas fini! Non! Au minimum, combien de fois doit-on plier une feuille de 0,01 mm pour faire la distance entre le Shire et le Mordor? J'en ai aucune idée. On va checker ça sur internet aussi. Apparemment, c'est 38. Oh, c'est bon! La clé est cachée. Mais c'est quoi ce genre de question? Comment tu peux trouver ce genre de réponse? C'est même pas dans le jeu. À moins que, il n'y a pas un truc avec les noms. Je me dis ES. Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas eu d'indice comme ça sur ma première game. On va être obligé de demander à Google. Et la réponse, c'est Uranus. Mais si vous savez pourquoi, dites-le moi en commentaire. Et la dernière réponse, apparemment, c'est pirate. Je viens de consulter. Et ça, ça serait lié à une nouvelle religion troll qui a été créée il y a peu de temps, il y a une vingtaine d'années. C'est bon? Ok? Oh, on gagne un badge! Non, mais juste... Oh là là! Oh, je suis refait. On a eu la complétion de Chester. Au revoir. Ok, on a notre petit badge juste en dessous de moi. Juste ici. Allez, au prochain. Elle a pas une mouche, elle, d'habitude? Elle a pas une petite mouche, d'habitude? Elle est pas sur la liste. Louis. Louis, 69, ça passe. Elle est au 1-1. On va checker le dossier. Ah, ok. Elle est mariée avec Roman. Regardez, normalement, elle a une mouche. Je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit qu'elle avait une mouche! Oh! Attendez, attendez. Il va falloir qu'on appelle la sécurité. Ah, je peux pas appeler la sécurité tant que j'ai pas fermé la porte, c'est vrai. Emergency! Allez, on appelle le 3312. La DDD. Allô, la DDD. Elle avait pas de mouche. C'est un doppelganger. Quoi? Vous l'avez déjà arrêté il y a deux jours? Et vous l'avez placé à tabac? Ok. Revenez vite. C'est bon. Le protocole est réussi. Un de moins. Donc déjà deux doppelgangers. J'espère que le petit Bad Chester, il va rester. Oh, c'est un des deux frères de la jungle. Je reconnais lui. Est-ce qu'il est sur la liste? Il est pas sur la liste. Robert Sky Pitchman. 73. Ok. Le 1-2. On a beaucoup de personnes du premier étage. 114, 730. J'ai l'impression que l'ID, pour l'instant, j'ai pas vu un seul faux ID. C'est bien 114, 730. Ouais. On a bien le logo DDD. On a bien le logo DDLD. Par contre, il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas sur la liste. On va lui poser une petite question. Comment ça, je suis pas sur la liste? Ah, il a dû partir pour une urgence. Mais mec, t'es cordonnier. C'est quoi l'urgence? C'est retirer une écharpe d'un pied à quelqu'un? C'est ça? Vous savez quoi? On va appeler. On va appeler. Ça se trouve... à Bert Sky et Pitchman sera là et on aura notre réponse. Oui, la famille de la jungle? Ah, ça décroche pas. Albert Sky speaking. Ok, je voudrais savoir s'il y a votre frère. Votre frère n'est pas là. Vous pouvez m'en dire plus? Mais, ok. Si c'est un doppelganger, je laisse rentrer parce que tu m'as raccroché à la gueule et tu vas mourir. Si ça se trouve, c'est un doppelganger et il va crever. Genre, c'est quoi cette manie de raccrocher à la gueule dans cet immeuble? Good afternoon. Ok, ok. T'es pas sur la liste. T'es pas sur la liste. Isaac Goss. Ok, il ressemble bien à sa photo. Il y a le logo DDD. Isaac Goss. Il est au deuxième étage. Et il ressemble vraiment à la photo. Est-ce qu'il a bien la petite marque au-dessus du nez? Il a bien la petite marque au-dessus du nez. Ok, on va lui demander pourquoi il est pas sur la liste. Comment ça, je suis pas sur la liste? Je vais partir pour une urgence. Mais c'est quoi ton métier pour que tu puisses partir pour une urgence? T'es reporter. Ok. Et tu reviens directement dans la journée? Tu reviens directement dans la journée alors que t'as une urgence? T'étais en train de couvrir les gilets jaunes et t'es déjà revenu? Ouais, ça sent l'embrouille. Le problème, c'est que je peux appeler personne. Ah
Ah si, je peux appeler directement chez lui, savoir s'il y a quelqu'un. Je pense que c'est plus simple quand il y a deux personnes pour appeler. Ça sonne. Bonjour. Alors, monsieur Isaac, je suis pas censé avoir des visiteurs aujourd'hui. D'accord. Très bien, monsieur. Excusez-moi. Alors, on va lui poser des petites questions. On va voir si on peut l'énerver un peu. Mon ID. Oui, monsieur. Ok. On continue. Ton apparence. On va lui poser toutes les questions. On va voir si on peut pas débloquer un petit succès en le faisant chier. Regardez bien la photo. Mes papiers, comparez-les avec moi. Oui. Alors ça, c'est un peu les réponses bateau, monsieur, je trouve. Ah, si on fait les quatre, ça ne marche pas. Allez, énerve-toi un petit peu, là. Bon, bah, vous savez quoi? Moi, non, tout n'est pas bon avec vous, monsieur. Ouais, il continue. Il continue de parler alors que le truc s'est déclenché. Il ferait mieux de courir. Tu ferais mieux de courir. La DDD, vite, dépêchez-vous. J'ai une reproduction parfaite d'Isaac Goss. C'est le dernier. Il a fait 5 kills la semaine dernière. Dépêchez-vous. Faites attention. C'est bon. Ah, à Blue 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 Ga, il a dit, je lui ai défoncé le crâne. C'est bon. Il reviendra pas. N'empêche qu'on a des super versions de Doppelganger. Là, on n'a pas eu un seul Doppelganger rare où ça se voit bien au visage. D'accord. Bonjour, madame. Allez, elle était sur la liste. Hein. Anastasia. L'entrée request, s'il vous plaît, madame. Oui, tu as oublié. Tu vis pas au premier, toi, Anastasia? Non, elle vit pas au premier. Elle doit vivre au deuxième, alors. C'est une étudiante. C'est une chef. Ah, mais elles sont sœurs? Ok, elles vivent entre sœurs. Elle a le petit visage, les ponytails, petit nez, rune face. Ah, honnêtement, je pense que c'est la même. Hein. Vraiment, c'est à brèche frère avec des cheveux longs. On va quand même comparer 85, 132, 132, 462. On a bien le logo de la DDD. On va appeler, vous savez. Quoi qu'elle est sur la liste, en vrai. Mais c'est une game safe. On joue une game safe aujourd'hui. On joue une game petit sexe. Et on appelle. Et là, il va m'abréger. Et le coup de téléphone va durer 2 secondes. Personne à la maison. Ça semble logique parce que normalement, les deux sont censés être dehors. On laisse passer. Alors attention. Parce que normalement, on est censé récupérer sa sœur après. On ferme. On laisse pas passer. Ah, bonjour madame. Vous êtes normalement Margaret Bubbles du 2-3. Le 2-3, c'est qui? Ah, elle vit seule. Oh, la pauvre. On va appeler. Moi, j'appelle tout de suite maintenant. Petite game téléphone sponsorisée par Orange. Margaret Bubbles, s'il vous plaît. Elle est censée être dehors, donc normalement, elle est pas censée décrocher. C'est bon. Alors, on est en 75. Ça passe. Toujours valide. 103 590. Il y a le logo DDD. Pour moi, c'est bon. Hein. Visage. Attendez, on va quand même vérifier un peu le visage. Elle a bien l'œil qui part en couille à droite. Les cheveux, le collier, le nez rond et un joli sourire. Très joli sourire. Magnifique. Si j'avais 20 ans de plus, je pense que j'aurais pu craquer pour elle. Hein. Allez, on ferme la porte là. On va faire une. Ah, c'est la sœur. C'est la sœur en logique. Ok. On va lui demander son ID quand même parce qu'on fait bien notre métier. Sinon, on va se faire virer et YouTube paye plus assez maintenant. Donc, c'est compliqué. Hein. TikTok, pareil. On est passé à 60 centimes les 1000 vues. Ça va plus. 73. Ok. Nasha Michaelis. C'est bien Nasha? C'est bien Nasha Michaelis. 789 413. Il y a bien le logo DDD. Par contre, oh, elle a pas les taches de rousseur. Elle a failli me baiser. Allô, la DDD, vite. J'ai un problème. Je vais me faire attaquer, vite. Dépêchez-vous. Oh la vache. J'ai cru que j'allais crever. Quel game. C'est qui lui? Il est trop stylé. Ah, il est pas sur la liste. Arnold Schmidt, 71. Arnold Schmidt. Il est au 2-1 normalement, Arnold Schmidt. Big Eye Bros, il a un nez rouge. Il porte un chapeau. Ça c'est bon. Mais pas tout le temps. Short hair. Il a bien le nez rouge. Un nez rouge, le nez noir. Grosse moustache. On va appeler. À savoir s'il est à la maison quand même. On sait jamais. Oui. Bonjour Gloria. Est-ce que votre mari est là? Monsieur Grosse Moustache. Ah, votre mari n'est pas là. Ok, ça tombe bien, il est en bas. On va quand même vérifier. Hein. Moi, aujourd'hui, je fais un pas d'erreur. Sans faute. On lui a pas demandé pourquoi il est pas sur la liste aujourd'hui. Alors, c'est toujours un peu la même réponse. Ça, c'est le truc qu'il va falloir qu'ils améliorent dans les prochaines mises à jour. Je pense que le jeu pourrait vraiment être du niveau d'un contraband police, d'un paper please. Mais il faut encore étoffer. Ou peut-être que ça va se débloquer au fur et à mesure des games que je vais gagner. Bah, honnêtement, physiquement, il ressemble. Les papiers sont bons. Sa femme me dit qu'il est pas là. Moi, je laisse passer. Ça me paraît être un honnête citoyen. Allez, on ferme. On ferme. Je pense qu'il me ramènera un petit cadeau la prochaine fois, Big Moustache. Bonjour, monsieur. Alors, lui, on a déjà eu son frère tout à l'heure. On a déjà eu Robertski Pitchman. Mais attendez. Tout à l'heure, on a eu Albertski Pitchman au téléphone. Mais on l'a eu au téléphone tout à l'heure. What the fuck? Attendez, il est pas sur la liste. Monsieur, vous êtes pas sur la liste? Oui. Mais je t'aurais vu passer devant moi. À moins qu'il y ait une autre sortie. Attendez. On va appeler le 2668 là. Parce que là, il veut. C'est l'embrouillos. Il va me la faire à l'envers là. Oui, s'il vous plaît. Allô? Robertski Pitchman. Ok, Robertski, je t'ai laissé passer tout à l'heure. J'aimerais savoir ce qu'on fait là. Ah oui, vous êtes là. Ok, pas de visiteur. Ça, c'est un truc qui pourrait rajouter aussi plus tard, le fait d'avoir des visiteurs. On va le faire chier un peu, son apparence là. Tout! Je sais que c'est pas toi! Non. T'es pas sur la liste aujourd'hui. Je sais que c'est pas toi! Non. Ça marche pas. Je suis désolé, je suis obligé d'appuyer sur le bouton rouge.
Ça va pas la 3, la DDD. Honnêtement, il était super bien fait, mais parce que j'ai appelé tout à l'heure, j'ai bien fait d'appeler, je me suis pas fait baiser. La DDD, vite, vite. J'ai une famille de la jungle qui est en train de s'énerver. La porte va céder, vite. C'est bon, rien de moins. You can continue your job. J'espère que j'aurai une prime. Allez, je fais bien mon travail. Je veux une prime. On a un problème. Ah, les yeux sont pas bons. En fait, on a un problème. On l'a laissé passer tout à l'heure. Mais là, regardez, c'est l'œil gauche qui part en couille. C'est pas l'œil droit. On va essayer de l'attaquer sur son physique. On est pas comme ça normalement. Mais là, on pose quelques questions sur le physique. Qu'est-ce qui va pas avec votre apparence? Peut-être vos yeux? Oui, justement, j'ai bien regardé. Blablabla, toi-même. Ça dégage. Ça dégage. Je laisse passer aucun doppelganger aujourd'hui. Non mais oh, la DDD est là. On a un doppelganger qui connaît pas sa gauche et sa droite. Veuillez intervenir vite. Il pourrait être dangereux s'il apprend. C'est bon. Tous les coups de téléphone que j'ai fait aujourd'hui. J'espère que c'est pas moi qui paye le forfait téléphone. C'est peut-être la bonne. Elle a les taches de rousseur. C'est peut-être la bonne, mais faut vérifier. Elle a toujours les yeux qui partent en couille, elle aussi, hein. Nasha, 73. J'ai envie de lui demander son entrée request. Oui, t'as oublié. Excusez-moi, moi, je fais mon travail, madame. Je fais mon travail. Excusez-vous, vous avez raison. Au 2-4, elle a un œil bleu et un œil vert. Mais ça, c'est pas bleu. Attendez. L'œil droit est bleu, l'œil gauche est vert. C'est pas bleu. C'est quoi? C'est un nez Navy blue. Est-ce que c'est bleu? C'est un peu bleuté, hein. C'est un peu bleuté. Je sais pas ce que je fais. Parce qu'elle est sur la liste. Et en logique, elle est pas à la maison. On va appeler quand même. Mais en logique, elle est pas à la maison. Vu qu'on a déjà eu la petite sœur tout à l'heure. Et là, ça va être un doppelganger qui va répondre. Bonjour Anastasia. Je voudrais savoir si votre sœur, elle est là. Ah, c'est sa mère. Mais ta mère, elle a 20 ans. Bon, on va peut-être se faire baiser. Mais ce noir est un peu bleuté. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous pensez que c'est bon. Oh là là, elle va faire un carnage. Elle va faire un carnage. Je le vois arriver. Genre, ok, bonjour. Vous êtes qui? C'est Gloria, hein? Madame Gloria, là, vous êtes pas sur la liste d'entrée. Ok, il y a le logo DDD. Déjà, on va lui demander. Comment ça se fait que t'es pas sur la liste? Déjà, elle a les yeux jaunes, c'est reptilien, ça fait peur. C'est une erreur. Je devrais être sur la liste. C'est une erreur. Vous avez pas envoyé le registre au bon moment encore, là? Et après, vous allez dire que c'est de ma faute. Vous êtes au 2-1, normalement. Eh, mais attendez, il y a Big Moustache qui est là. Les gars, j'ai pas appelé tout à l'heure? Et Gloria, elle était à la maison? Mais si. Ah, attendez. On me l'a fait à l'envers, là. On me l'a fait à l'envers encore une fois. Ça va décrocher, j'espère. Bonjour, Gloria. D'accord. Vous êtes déjà à l'appartement. Aucun visiteur aujourd'hui. J'ai votre jumelle qui attend devant. Alors, on va essayer de voir parce que ça se trouve, il y a un truc dans le physique que j'ai loupé. Elle a la mouche. Tête ronde. Elle a les joues. Ouais. Elle a la petite mouche. Short hair. Who knows? Ah, c'est pas le bon nez! C'est pas le bon nez. Oui, la DDD là. Encore. Oui, encore. Bah, installez-vous dans l'immeuble, hein, tant qu'à faire, hein. C'est n'importe quoi aujourd'hui. C'est n'importe quoi. On n'a pas eu un seul doppelganger rare. Mais on en a eu des super bien faits. J'ai cru que j'allais crever. Oh. Et il a perdu 20 ans là. T'aurais pas perdu 20 ans, Alf? Capucin? Elle est où ta moustache, Alf? Elle est où ta moustache? Ah, ça dégage tout de suite. Oh là là. Je sors même plus mon téléphone. Ils savent très bien. Ils sont au bas de la rue. Ils sont en bas de la rue. Ils vont juste à demi-tour. Ils arrivent. C'est bon. Venez. J'en ai un là. Oui. Allez hop. Ça dégage. Voilà. Je vous avais dit. C'était juste à côté. Oui. Je continue mon travail. Peut-être le world record. Mon PB au moins. Alors attendez. Elenois. On l'a pas déjà laissé passer tout à l'heure? Il y a bien les logos. Elenois Schwerz. 1-4. 845-956. 845. C'est la première que j'ai laissé passer. La mouche, elle est bien à droite. Elle a bien la petite mèche. J'avais pas remarqué que la petite mèche de cheveux qui est en haut, elles sont inversées aussi. On va appeler. Elle est trop bien faite. Et si l'autre, elle décroche pas, ça veut dire qu'elle est morte? Oh là là. Si ça se trouve, j'ai fait une erreur dès le premier. Je l'avais laissé passer, je crois. J'ai déjà plus. Elenois. Ok. Mais je comprends pas, là. Le nez est bon. Il y a un truc que j'ai pas. Est-ce que c'est mal écrit le nom de famille? Je comprends pas. Tout me paraît bon. Ok. Elle devrait être sur la liste. Je vous avoue que je sais trop pas ce qu'il y a comme différence. C'est bien les bonnes boucles d'oreilles. De toute façon, ils disent pas. Ils disent juste qu'elle doit être mince. Elle doit avoir un petit nez en pointe. Elle doit avoir la mouche sur la joue gauche. Un long cou. Elle a tout ça. Peut-être pas assez long le cou. Si, hein. Il me paraît long. Ouais, on appelle. Au pire, on tue une innocente et on a laissé un doppelganger qui a l'air d'être gentil à l'intérieur. Je vais leur demander de la mettre juste en... Oui. Alors, j'ai peut-être un doppelganger, mais peut-être pas. Donc, est-ce que vous pouvez la mettre genre en prison quelques heures et voir ce qui se passe? D'accord? Quoi, vous l'avez tué? Mais je vous avais dit de la mettre en prison! Mais non, mais ils font n'importe quoi! Là, ça se voit presque comme le nez au milieu du visage. Mais je veux pas perdre mon temps, on va pas perdre notre temps quand même! Pas moi! Pas encore! Elle est sortie. C'est celle de tout à l'heure qui a commencé à muter, je suis sûr. Non, mais ça dégage. Hop! C'est bon. On appelle la DDD là. J'en peux plus, on prend pour un jambon. Oui, c'est bon. Ça dégage. On fait un petit protocole rapide là. J'en ai marre d'attendre, c'est n'importe quoi. On peut continuer le travail? Ok. Qu'est-ce qui se passe si je tue un des voisins? Si vous le savez, dites-le moi. Quoique non, j'ai envie de découvrir par moi-même. Je suis mort?
On a capturé 8 doppelgangers, on a tué un voisin et on a laissé passer un voisin. Je suis quasiment sûr que c'est la première. Elenoïs, mauvais nez. Ah, bordel! La toute première, elle avait le mauvais nez. Vous pouvez re-regarder la vidéo. Ah, je me suis fait baiser. Bon, on a eu au moins le petit badge doré. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme ça. Ciao, ciao!